Couture. The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Now we would like to hand over to the co-prosecutors et nous laissons à présent la parole à l'accusation. Put some questions to the Merci, Monsieur le Président, Thank et you, bon après-midi. Mr. President, and good afternoon. Bonjour, Monsieur Yupal. Good afternoon, Mr. Yupal. Je vous remercie d'être Thank you venu for, being here with aujourd'hui us today pour cet exercice très difficile for this, de partager very, vos souffrances avec experience. Nous lors de cette audience. Sharing your suffering with us, I have a few questions to put to you regarding what notamment you le 17 have witnessed, in particular on 17 April 1975 and then afterwards. Dans votre procès-verbal d'interrogatoire devant les juges d'instruction, D-296-2, à la réponse 2, vous avez mentionné avoir vu le brigadier général Chun Chun le 17 avril 1975. Pourriez-vous nous expliquer qui était cette personne et ce qui lui est arrivé ce jour-là? Response. After leaving Baekjeon, I was walking Après to the north direction Baekjeon, and I stopped at Psathmay. There were groups of Khmer Rouge soldiers with armored vehicles, and I saw a convoy, a motorcade, et j'ai vu of the brigadier general. Il y avait le brigadier général. The motorcade was heading to the Ministry of Information, and everyone knew that it was Mr. Brigadier General Chum Chun who had to go to the Ministry of Information passing the stupa in at that location on that road. Merci. Thank you. Pourriez-vous nous dire par quels moyens les Khmer Rouges ont donné l'ordre à la population d'évacuer la ville le 17 avril 1975? Comment ont-ils procédé pour prévenir la population qu'elle devait partir? Response. At Chan Dom Daik Pagoda, à la pagode de Chan after Dom Daik, eating lunch at about 2:30 p.m., we were surrounded by Khmer Rouge soldiers nous avons who été were armed. They fired into the air ils portaient des armes, ils ont tiré and des asked feux us to leave the place et nous ont dit for que nous 3 days. Partir pendant 3 jours. They told us that we would be allowed to return in 3 days and that we would not need to bring a lot of things with us. We were worried and were packing and left. Et nous avons fait nos sacs et nous sommes partis. Merci. Je voudrais Thank en venir you. À Now I would like to turn une autre étape de votre parcours. To another episode, après l'évacuation, vous avez dit que vous êtes retrouvé à Angkor Chai pour un certain temps. Lorsque vous étiez sur place, and when you were there, qu'avez-vous constaté what did you notice quant au sort qui était réservé what did you notice aux personnes concerning riches ou bourgeoises what would happen que vous avez to the rich people or to the bourgeoisie? Response. From Pau
I continued my journey until I reached the border of Takao and Kampot. I met my parents at Tamuan village. Je suis allé retrouver mes parents au village de Tamuan. A prison. C'était une prison. My parents knew about this. Mes parents le savaient. A lot of the new people who were seen walking, beaucoup carrying their babies, walking into that office. The office was not big enough to accommodate all these people, so others had to remain outside. But those who went inside would never see them. Mais ceux qui sont allés à l'intérieur, on ne les a jamais vus en ressortir. Et comment avez-vous su qu'il s'agissait de gens du peuple nouveau? That these were new people? À quels signes les avez-vous reconnus? How could you recognize them? But some response. I knew they were new people. Je savais qu'ils because their clothing could tell me some were wearing white shirts, blue blanches, pants, and there was a mixture of colored clothes. And some was seen with big bellies, like wealthy people. Et so I could tell that these people were the new people because Khmer Rouge would not, the base people would be wearing black clothing. Peuple nouveau, car les gens du peuple de base, eux, portaient des vêtements noirs. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez dû mentir sur votre passé professionnel. You had to tell lies about your professional. Je ne me trompe pas, c'était à lors des contrôles et lors de la biographie que vous avez dû rédiger ou communiquer au Khmer Rouge à Pau. Est-ce que plus tard, durant le régime, vous avez été soupçonné ou suspecté d'avoir fait partie soit de l'armée de Lon Nol ou de la police de Lon Nol? Army or to his police. Và xong chấm đẹp chung lột đấy. Cái này như là ổn á. Đại chỉ vứt nhầm. This is a good point to rest and the reason that I survived today actually conceals my biography once in survivre. A couple c'est parce que j'ai pu dissimuler on, mon histoire personnelle à Kampong-Cham. Plus tard, had a pity on une femme me. Plus âgée m'a pris en pitié. And she said that I knew that you went to a study and elle that you did not engage in any military or police employment, and then that soldat, I should follow her. That is to say that I was a student and not to work as a policeman. Que j'avais and from été that day onward, I always said I was a à student. Compter de ce jour-là, j'ai toujours dit que j'avais été étudiant. Donc vous avez survécu à ces soupçons. So, qu'arrivait-il aux anciens policiers, aux militaires qui étaient découverts même longtemps après l'évacuation de Phnom Penh, par exemple, en 1977? Even quel a était good leur time after the evacuation of Phnom Penh, for example, in 1977, what fate awaited them? Bạn, chấm nói nhỉ? I did not mention this fact in the je attachments to my victim information form, but now it is a good time for me to de renseignements sur la victime, mais ceci est un bon moment pour in en parler. 1977, I was in a mobile unit, and at that time we had to write our biography monthly. And if anyone who wrote mois. That they were in the military for three times, then they would be implicated
But I always maintained my stance that I was a student. J'ai toujours indiqué avoir été étudiant. Dans mon unité, il y avait 120 personnes. 99 of them interprète se reprend. Were killed 100 by personnes, 99 personnes at the crime site ont été tuées par les Khmer Rouges sur un site de crime à Wat Chung Chap, province. I was the only person from that unit who survived dans cette unité, je suis le seul survivant parce que j'ai toujours affirmé que j'étais étudiant. And I did have great pity for my j'ai éprouvé beaucoup de peine to tell the truth, pour tell them mes the amis truth, but I did qui not ont dit la vérité. To lie. Moi, je n'ai pas osé les inciter à mentir. Merci. Dans la réponse à la réponse 6 de votre procès-verbal interrogatoire D296/2, vous avez cité une expression qui était utilisée par les Khmer Rouges, c'était « garder n'est pas un bénéfice, jeter n'est pas une perte ». Est-ce que vous pourriez expliquer cette expression utilisée à l'époque et nous dire à qui cette expression était appliquée? Who that those terms were actually applied to? Thank you for raising this good point. That applied to the case of my father, cela as the saying valait went, pour mon père. Because my father was sick, so mon he could not engage in malade, any work, and for that reason they injected him with a plain water. C'est pourquoi and he died. On lui a injecté de l'eau, ce qui a provoqué sa mort. Merci. Généralement, durant la période Khmer Rouge, monsieur le témoin, generally speaking, Mr. Witness, during the est-ce Khmer que Rouge vous avez jamais été traité avec period, respect, avec were dignité you ever treated ou avec with humanité? Respect, dignity, or humanity? During the period of that regime, nobody, not even a single person, ever smiled at me. Personne ne m'a jamais not at all. Souri, pas une because seule fois. They knew that I came from Phnom Penh, les gens savaient and they did en not know whether I engaged in any work in the past, and because of si my rather big build, they suspected that I fait tel ou tel travail held dans le passé, some kind of a rank in the military role. Que but I tried to be very humble and l'armée. To please them, moi, and for that reason I survived. D'être très humble et de leur complaire. Ce qui m'a permis de survivre. Je n'ai plus que quelques questions à vous poser. I Il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que ce n'a pas été très clair tout à l'heure. Vous avez mentionné deux fois twice, avoir perdu votre fiancé. That you had lost pourquoi your fiancé? N'avez-vous pas pu why vous marier avec votre fiancé sous les Khmer Rouges? Not able to marry your fiancé during the Khmer Rouge dispensation? My fiance was a woman whom I understood her well, and she understood me well, and we were ready to et moi, get married. Nous nous entendions bien, nous étions prêts à nous marier. Unit chief asked me whether le chef any of my fiance's relatives members ever smashed by Onka, and I replied that her elder brother was smashed si by Onka. Certains des membres de sa famille avaient été écrasés then par l'Onka. Unit chief said j'ai dit que c'était le cas de son frère in aîné. The case that the elder brother le chef d'unité a dit the woman que was smashed by Onka, then Onka would prohibit me from L'Onka marrying her m'interdirait because de me marier I avec elle. Was the son of Onka, car and moi j'étais it was up to un fils Onka de l'Onka to organize et c'était the marriage. À l'Onka d'organiser mon mariage.
And if after the marriage we could not après go along le mariage, together, then the application si of the common practice in sector 33 would be used. On procéderait comme il était usuel dans le secteur 33. Autrement dit, marry ugly men. De jolies femmes and the uneducated se marier à des hommes laids. Would marry the educated ones. Et les instruites se mariaient à des and gens peu instruits. The unit chief said, if I le chef d'unité did not follow the instructions, a dit que si je n'obéissais pas I aux instructions, for that je reason, I followed it through. Et donc, j'ai obéi. Merci pour votre réponse. Ma toute thank dernière you question for your answer. Est de savoir now, si en close, tant qu'évacué de Phnom Penh as an et from en tant Phnom que Penh, fils de l'Ankar, comme on as vous l'avait dit, a son of Ankar, as you termed it yourself, est-ce que vous deviez une soumission totale did you au chef Khmer Rouge sous lesquels vous avez dû travailler to the Khmer Rouge leaders you had to work under during the Khmer Rouge regime. Bạn nhầm sông chuẩn bị chun lốp thà sầm mai khmer có hòm nốt during the Khmer Rouge regime. If one was ordered to dig a canal, for example, si on recevait l'ordre de creuser example, un canal, par that, exemple, that person has to dig 6 cubic meters per day, par exemple, that s'il work fallait has to be done. Excaver 6 mètres if cubes not, par jour, on no devait le faire. Rice would dans be le cas given contraire, to that person. On ne recevait pas de riz. And if that person were to protest, that person si would be l'intéressé very fastened. Protestait, and the next process would be that person be killed. Et so l'étape we had to suivante, follow it through. C'était de tuer cette personne. Il fallait donc obéir. President, the co-prosecutor at the time le is président. Now up for the prosecution. It lasts now for l'accusation 15 minutes. A à présent épuisé son temps de parole. Merci, Monsieur le Président. J'en thank avais you, terminé. Et, that je vous remercie pour le temps que nous avez accordé. Close, and I'm very merci, Monsieur le Président. Glad that you gave me this time. Thank Monsieur you la to partie Mr. Civil, excuse me, Mr. Civil Party. President, the floor président. Is now given to Nguyen Chia's defense to put questions to this Civil Party. À la défense de Nguyen Chia qui pourra interroger la partie civile. Thank you, Mr. President. Maître Coppe. Mr. Civil. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur la Partie Civile. Before the break, you were speaking avant la pause, about what was happening vous avez parlé to Lon-Nol military, de ce qui est arrivé and if I remember correctly, aux soldats de above a certain si rank. Je me souviens bien, did I understand that vous avez well? Évoqué un rang particulier. En disant que c'était à partir de tel rang. Vous ai-je bien compris? Are you asking réponse. About Lon-Nol soldiers? M'interrogez-vous sur les soldats de Lon-Nol? Time period? À quelle période faites-vous référence? If I remember question. Correctly, you were at one point si je me souviens reading bien, from your statement, vous avez and I think lu votre déclaration. That was in reply to je a pense question que about question the screening of Lon-Nol soldiers on or around 17 April. Do you remember that? Le tri des soldats de Lon-Nol le 17 avril ou vers cette date-là. Vous en souvenez-vous? I do not understand your réponse. Question, counsel. Je n'ai pas compris la question, maître. In your question. Statement, dans votre déclaration, you have been speaking in your answer to question A2, à la réponse about the screening of officials of the Lon-Nol regime from the ranks of second lieutenant, first lieutenant, captain, major and colonel. Do you remember that? Lon-Nol, à partir de certains grades, colonel, etc. Vous en souvenez-vous?
France. Was en route and when I reached district. J'étais en route et en arrivant dans le district de Pakaou. The propagandist of the Khmer Rouge in Pakaou made an announcement that for those soldiers who were at the rank from the major lieutenant and the lieutenant upward would be called upon by Ankar. And at the Chuang Prai Pagoda in Chuang Prai district, they made a biography and nom, a card would be given. And for those people who made their biography and stated that they were a soldier or a policeman, then they would be put in one side. And once they had sufficient number of people, then they were sent to Pagoda. Monde, ils étaient envoyés à la pagode. Hey. I myself was amongst those people. Moi-même, j'ai fait partie de ces gens. Would you be able to tell us how exactly you were able to witness all this? Comment were you able to see cela? That former Lonol soldiers were writing the biography? Les anciens soldats de Lonol qui and were giving those biographies to the local et la remettait aux cadres locaux Khmer Rouge l'ont fait. When réponse. We were sent to a Pagoda near market. We were given a piece of paper to write our biography. Dans une pagode près du marché and for those de Pakaou, who had their biography sent from Chuang Prai Pagoda would have to write it clearly there. Dont la biographie and when they saw the ranking on the paper that is from the major lieutenant upwards, que la personne avait un grade de lieutenant majeur ou supérieur, ces personnes étaient rassemblées et envoyées. Would you be able to describe to us how you were able to see that? How mais were you able to know what those people had written? Comment and how were you able to understand what the decision was in respect of these people? La décision prise can you just à leur describe sujet? For us how you could see all that and hear comment all that and understand all that? Avez-vous vu, entendu et compris tout cela? Réponse. Allow me to respond. At that time, I was amongst those major lieutenants, the lieutenants and the captain. I was writing my biography, so did they. And I saw what they wrote on their biography. Comme eux, et j'ai pu voir and then ce the Khmer Rouge collected those ensuite, papers, les ont and then they would screen them. Ils ont opéré un and tri. That was the process that they did. Et voilà ce qu'ils ont fait. And of course, I saw this with my own je l'ai eyes. Vu de mes propres yeux. But how were you able to see what other people comment had written? Avez-vous pu voir ce que les autres avaient écrit? This piece of paper first to you before vous they ont-ils d'abord handed montré it over to leur document avant de le remettre the Khmer Rouge cadres who were au cadre Khmer Rouge responsible? Allow me to tell you réponse. That they were deceived by the propaganda as they would ils be given their job back. Cette propagande, car so those people, for example, the major lieutenants, emploi. They would say exemple, they were the major lieutenants. Major disait there avoir was été a man major. Of a big bill who was a il captain un and he wrote qui that était capitaine et il l'a écrit. And another person il y avait who was a major qui était wrote that major too. Et qui l'a écrit. And he ordered the lower ranks to line up. So I knew it from my experience and I bore witness to that. Se regrouper. I hope you are clear on this point, Council. Je l'ai vu directement, je puis en témoigner. Well, I'm afraid not, Mr. Civil Party. My question is how je you became, how you came into the position comment that you were able to read whatever this captain or major ce qu'avait écrit ce capitaine ou ce major. Comment avez-vous pu avoir connaissance d'une telle information?
I think I have told you sufficient enough because I was there and I saw what they wrote on their documents, and that is all. I do not know what else to tell you, counsel. Je ne sais pas que dire d'autre, maître. I don't have much time anymore, but my question would still be. Question. Il me reste peu de temps, mais ma question demeure la suivante. See what comment was written on those pieces of paper? Did those people give it to you? Did you get it from the Khmer Rouge cadres? Ces gens vous how ont-ils were you able remis ces to read exactly, for instance, what this captain Rouge, vous ont-ils or major had comment written on this, avez-vous pu lire on ce this piece ce of paper? Capitaine ou ce major avait écrit sur sa feuille. President, civil party, please wait. Monsieur, veuillez attendre. Assigned civil la party lawyer, you may proceed. Thank you, Mr. President. I would like to object Maître against Beignet. This question because it is repetitive. Objection. I think the civil cette party has made sufficiently clear that he has seen what was written. Avoir vu so ce qui I do écrit. Not understand where this question is je going ne to, vois and pas I object. Où veut en venir l'avocat de la défense. Well, that is exactly the point. He doesn't answer my question as how c'est exactement ce que je veux dire. Il n'a pas dit comment il avait pu savoir ce qui était écrit par le major X ou le capitaine Y. Ce n'est pas une question répétitive, c'est une question qui vise à recueillir des éclaircissements sur la source de ces informations. Objection is not sustained. L'objection please respond to the question. Monsieur la partie civile, however, it has to be question. Clear that cela étant, are you referring to the events in general, or are you referring to a specific point in time from his response he knew about the some people général, who were nearby him? Précis. La partie civile and a dit être course, au courant de ce qui s'est passé pour writing, les gens qui étaient nearby, près. They, may ask each other about, quand this des gens or that. Écrivent et se trouvent and les uns après les autres, ils peuvent se poser des questions. Replied. C'est ce qu'a répondu la partie civile. He also heard of other people talking la partie civile a aussi that entendu des gens en them. Parler. So you had to alors make your question specific. Are you referring to a specific period of time or in general? No, I'm referring to a very précis, specific moment in time. Bien, posez-vous une question générale, la défense. Je parlais d'un moment bien précis. At Pau Market and c'était what happened les événements when, du marché de Pau. Other people were asked to give a biography. So I'm on a demandé aux autres something about a very specific d'écrire moment leur biographie. And ma question porte donc sur un moment bien précis. His answer to question et je fais two référence in document D296/2. So my question simply would be, if I may follow up about this this captain, how would you donc, know concernant what this le capitaine captain en question, par exemple, had written comment saviez-vous on his form? Qu'il avait écrit telle ou telle chose dans son formulaire. Allow me réponse. To repeat myself once again. Je vais répéter when ma réponse une fois de plus. Pagoda, quand nous étions à cette pagode the people de Pagoda, already told them that they were major lieutenants. Les gens so avaient déjà those dit people and the families être were sent des to lieutenants Pagoda major. Market, ces gens et leurs familles ont and été envoyés à la pagode biography. Près du marché de at that time they shared là, among themselves, they asked each other what they did. Ils se sont posé des questions and les uns aux autres they made those sur leur passé. They were et après avoir écrit one leur biographie, ils ont été convoqués successivement. And then a major was ensuite, asked to assign to take on a charge of them, and demandé then they were à un major de lined s'occuper up. D'eux. And there was amongst ils them ont to, été to lined up. Alignés. So there were several of us, that is, from the major j'étais parmi lieutenant eux. Rank up. J'étais parmi eux, et nous étions then plusieurs à partir du grade they de lieutenant-major. They were taken on motorbike, and there were five motorbikes. Les gens ont été emmenés and à mobilette, il y avait they cinq had been taken mobilettes. Away,
And for those lower ranks, for example, privates, then they were allowed soldats, to stay behind. And as I said, I was a private, so comme I was spared and not ordinaire, taken to et donc go with j'ai them. Été épargné, je n'ai pas dû partir avec eux. La défense. I obviously have many questions to ask him, but of course also mindful of the 7 minutes that we have been awarded. Je sais que nous avons reçu 7 minutes. I would like to continue. J'aimerais poursuivre if this is evidence, l'interrogatoire. Then we need to have the s'il s'agit d'une déposition, nous devons pouvoir procéder à un contre-interrogatoire. So I'm seeking bien your entendu. Guidance as what to do je m'adresse respect à vous of this civil pour part. Savoir ce que je dois faire dans le cas présent. President, what about case and possible qu'en est-il defense? De how la défense de case en point? De combien de temps pensez-vous avoir besoin? Moi, j'avais quelques questions. Nous avons effectivement calculé que nous avons 7 minutes par témoin, par partie civile. Donc, c'est vrai que ça fait très peu pour pouvoir poser des questions extremely lorsque short la partie civile est donc des faits. Je soutiens la demande de mon confrère s'il souhaite so, continuer. Toutefois, j'ai I bien sûr moi aussi quelques questions à poser aux témoins dans un cadre temporel qui me semble continue. Correspondre avec ce qui a été accordé a priori. But I would also myself like to use the time that was originally allocated. We will grant additional 5 minutes to Nguyen Chia's team. La défense de Nguyen Chia se voit à présent accorder une prolongation de 5 minutes. Mr. Witness, Mr. Civil Party, how many? That was a Freudian slip. Mr. Civil Party, how many people were there in total when this process civile, of information gathering was going on? Quand ces informations étaient rassemblées, combien de gens étaient présents? If it is fresh, then I would tell you with no hesitation, but it's been more than 30 years. Question. And il m'est difficile de répondre car cela my recollection is rather poor. So that's all I can mémoire recall. N'est pas très bonne. I can tell, not tell you any je further details regarding this point. Do you remember anything what question. The Khmer Rouge cadres were saying? Vous souvenez-vous de ce qu'ont dit les cadres de Khmer Rouge lorsqu'on a dit à ces gens d'écrire leur biographie? I cannot recall that specific. It's been so long. I apologize for that. Je ne me souviens pas de ces détails. Cela remonte à bien longtemps. Excusez-moi. Do you remember if you were giving those other people who were majors or captains or had other ranks warnings si c'est major, about capitaine not to fill autres. In what they really are, what they really were? Ont reçu un avertissement comme quoi ils ne devaient pas faire figurer leur fonction exacte. If I were to tell you or to tell them that, then réponse, I would not si tell that myself was a reserve public servant. J'avais dû. Did you see le faire? This captain or this lieutenant? J'aurais dit que j'étais un fonctionnaire de. Be driven away on the back of a motorbike. Question. And if yes, where to? Avez-vous vu où ce capitaine ou ce major était emmené à mobilette et le cas échéant vers quelle destination? When they made a decision that réponse. They were telling them the truth, then
a person on a motorbike would take them at the back of the motorbike, and there were five motorbikes in total, and they were driven away. But I did not know where they were driven to. Ils ont été emmenés, je ne sais pas où. Cinq mobilettes ont été utilisées. But were you actually present when a decision was made that somebody should step on the back of a bike and be driven away? Quand on a décidé que telle ou telle personne devait être emmenée à l'arrière d'une motocyclette. I think I need to repeat myself again here. Je vais devoir me répéter. I was also part of the groups that were detained by the Khmer Rouge. Du groupe arrêté par les Khmer Rouges. They were driven one by one on the back of the motorbike. Successivement. I hope I'm clear now. À mobilette. J'espère avoir été clair. Mr. Civil Party, would it be possible that you maybe have heard of a story like this, but that you haven't actually witnessed it? Entendu raconter cela, mais que vous n'en ayez pas été le témoin. Réponse. Response. I cannot, or I do not how to respond to Je your question comment répondre like à votre that. Question. The president. Le président. Mr. Pal, this is the way how Monsieur questions Pal, are put during the cross-examination sessions. You are supposed fonctionnent to respond to the questions based on the best vous of your knowledge. Censé répondre aux questions en vous counsel only sur ce asked vous you savez. Whether you saw this with L'avocat your own eyes or vous a demandé you si vous aviez heard vu cela de vos propres yeux this. Ou bien si vous en avez That's entendu parler. Question, and this is the C'est way une question how simple. Some questions are put. C'est so ainsi respond. Que l'on procède dans le cadre d'un interrogatoire. Je vous prie donc de répondre. I will repeat the question. Mr. Civil Party, would it be possible that Monsieur. This story or the events of selecting Lonel soldiers is something that you have heard and not actually witnessed yourself, you not actually saw it with your own eyes? Would that be possible? Mais pas quelque chose dont vous avez été témoin oculaire. Est-ce possible? But Some Jumriab Lokotian. Response. Mr. President Réponse. And Council. Monsieur le Président. I saw Maître. This. Je l'ai vu. And I bore witness to things that happened at that time. J'ai été témoin de ces événements. That's all I can say. The President. Thank you, Council, for Mr. Nuntia. Your time Merci. Is now Maître up, Copper, and we would like to hand coulé. Over to Council for Mr. Kyusampong to put questions de to the civil party. Pour son interrogatoire de la participe. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur Yosfal, quelques questions Mr. Pal, I have a few questions for you concernant ce que vous regarding avez dit what à propos you de... Said. Ce que vous avez vécu le 17 avril. What you experienced on 17 April. Je voudrais vous rappeler I'd like un passage to remind de you votre déposition écrite a segment que vous avez d'ailleurs confirmé your written, statement à la barre tout à l'heure. Il s'agit de votre réponse us. À la question numéro 2. Et vous dites and la chose suivante, je cite, following, and I quote free translation, le jour du 17 avril, 17 April, je me suis trouvé dans la salle du théâtre de Chaktomuk. Il était à peu près 8h30 du matin. Un de mes chefs à la police m'a ordonné de me mettre en rang. À ce moment-là, des tirs se sont produits et sont arrivés jusqu'à l'intérieur du théâtre en question. Mon commandant a pris une moto et s'est enfui. Par la suite, nous, on a suivi par derrière. J'ai quitté la caserne, puis je suis tombé sur un Khmer Rouge qui m'a dit que je ferais mieux d'abandonner mes chaussures de militaire et de me défaire de mon casque de militaire. J'ai marché ainsi pieds nus jusqu'à Petchi. Fin de la citation.
Et tout à l'heure, and de manière moins complète, vous avez today, effectivement dit à peu près la même chose en parlant de ce way, you said premier, much the same de ce Khmer Rouge que vous croisez le 17 avril about à Phnom Penh, et qui vous dit que vous feriez mieux d'abandonner vos chaussures de militaire be et de vous défaire de votre casque ou de votre béret, and vous, your tout à l'heure, helmet or your beret or whatever. However, this was alors, translated. Ma question est la suivante. So my question is the following. Pourquoi vous a-t-il dit ça, ce Khmer Rouge? What did he ask you to do this? C'était un conseil? Was this a recommendation or was this an order? Or de quel type de? What kind of? De quoi s'agissait-il? What was all of this about? Bah, xong chấm điểm lục của thiên, xong chấm điểm lục mỹ tivi. Về lần khi ông. I was still wearing police uniform. I had my police boots and bottes de policier. Hat. At that time, I was asked to remove the boots and remove the hat to just prove to them, to the Khmer Rouge, that we were defeated. Pour montrer. Because. Vâng, bạn về tình yêu đòi đào trường từ tê đòi mỗi chân nâng cứ bệnh chạy phép và ra chế rồi bỏ lần nồn. Miền miền bánh hạ kháng bộ prai phía xa. Bộ prai rõt bà tà cá rồi mùi nâng này bộ prai phía xa.
Le président. The president. The council, you may continue. Maître, I think we are now back on track. Je pense que la console fonctionne. Alors, monsieur, vous aviez donné une réponse à ma question. You malheureusement, j'écoute en français, vous parlez en khmer, et je n'ai pas entendu la totalité de votre explication. Je vous rappelle que ma question consistait à vous demander comment vous avez compris ce 17 avril 1975, ce conseil, cet ordre, je ne sais pas, expliquez-nous que vous a donné ce Khmer Rouge qui vous disait de retirer vos chaussures et de vous défaire de votre couvre-chef. Response. The Khmer Rouge asked me to remove my boots and hand. That was a sign that they would like us to do because it was a sign that Lon Nol soldiers were defeated. C'est un geste qui montrait que les soldats de Lon Nol avaient été vaincus. Est-ce que, en même temps, cela n'allait pas and empêcher votre identification comme soldat de Lon Nol? Enough to prevent you from being identified as a Lon Nol soldier? Response. No, that was not. We were still wearing the police uniform, and only removing the boots and the hat. We still maintained this identity. It was only meant to tell the Khmer Rouge soldier that the Lon Nol soldiers and police were surrendering by doing that. C'était un geste de reddition. Je vous remercie. Thank you. Ensuite, dans votre déposition, vous dites la chose suivante. Vous expliquez que vous avez continué votre marche après vous être défait de votre casque et de vos chaussures, et que vous continuez votre chemin. Et là, vous dites : je suis allé jusqu'au pont de Choi Changwar. Là, un jeune Khmer Rouge avec une arme à la main m'a braqué et m'a posé la question pour savoir si j'avais ou non une arme sur moi. Je lui ai dit que je n'en possédais pas, et c'est ainsi que ce soldat Khmer Rouge m'a laissé repartir. Fin de la citation. Donc à ce moment-là, la partie civile, ce qui intéresse les gens qui vous contrôlent, c'est si vous présentez un danger, si vous êtes encore armé. I wish to clarify this a little bit. Laissez-moi apporter at that time, the population of Phnom Penh was still cheering or congratulate the victory of the 17th of April 1975. And when I was seen carrying the boots and hat, I was asked whether I was also carrying a gun. Quand on m'a vu avec des bottes et un béret, on m'a demandé si j'avais aussi une arme. Et j'ai dit non, et c'est pourquoi on m'a permis de poursuivre mon chemin. Je vous remercie. Thank you. Toujours dans votre réponse numéro 2 de votre audition du 12 décembre 2009, vous dites ensuite que vous avez été à nouveau arrêté, puis fouillé au corps minutieusement. Vous dites, je cite, « Ceux-là nous ont donné l'ordre à nous de nous mettre en rang. » Puis ils se sont mis à nous fouiller le corps minutieusement. Les Khmers Rouges ont ordonné à la population de sortir et de partir de leur maison. J'ai marché et je me suis dirigé en direction de l'ouest. Fin de la citation. Donc, monsieur, à ce moment-là, pour ce qui concerne votre expérience à vous,
Vous êtes arrêté une troisième fois par les Khmer Rouges et au cours donc de cette deuxième fouille, on s'intéresse qu'à la question de savoir si vous êtes porteur d'une arme. Searched, people were trying to see whether or not you had a gun. Is that the case? Response. When I was still wearing this police uniform, the first question they would ask me when they were searching me was whether I was carrying a gun. By saying no, I would be allowed to move on. On me permettait de poursuivre. Tout à l'heure, lorsque vous avez répondu aux questions de votre avocat, vous avez évoqué l'explication qui vous avait été donnée par les Khmer Rouges pour justifier que l'on vous demande de quitter la ville. Vous en aviez également parlé lors de votre déposition, mais vous aviez été assez succinct. Interview, c'est toujours dans la question réponse about numéro 2 qui est assez longue, qui prend deux pages et demie. Et à ce moment-là, vous aviez dit, les Khmer Rouges m'ont dit que je devais quitter les lieux pour une durée de trois jours seulement. Et tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué cette question, vous avez dit, les Khmer Rouges m'ont dit de quitter Phnom Penh car ils avaient besoin de réorganiser la ville. Est-ce que c'est bien l'explication qui vous a été donnée à ce moment-là? Is that what they told you? Is that how they explained the situation to you then? Man, response. Som jomreap chun lok po. I am now old, much older than before, and my memory does not serve me well. But I forgot to tell you that during the time when I said Khmer Rouge asked us to leave the city because they needed 3 days to reorganize the city, I should also have said that they told us that Americans would also bomb or drop bombs. Donc la mémoire vous revient, c'est très bien. So et dernière question, monsieur le témoin, vous avez toujours dans cette très longue question-réponse numéro 2 de votre déposition écrite du 12 décembre 2009, vous avez indiqué que lorsque vous vous trouviez plusieurs semaines après le 17 avril dans le village de Trapeng-Snor, excusez pour ma prononciation, situé dans la province de Kompong Cham, vous aviez reçu un conseil d'un homme appelé Long Sinyon, et vous avez déclaré, je cite, and you stated, and I, Long Sinyon m'a conseillé de jeter le laissez-passer parce qu'il avait été écrit au stylo à pen. Juste avant, vous aviez expliqué que c'est un laissez-passer qui vous avait été remis par les Khmer Rouges. Khmer Rouge. D'abord, est-ce que vous pouvez First nous dire all, qui était Long Sinyon? Long Sinyon was, but Long response. Mr. Long Sinyon was the chief of ELO in Phnom Penh. He had to also conceal his identity. He was a major, but he told the Khmer Rouge that he was a goldsmith. Mais il a dit, and he told me that, look, as long as a red ball point pen was used on si this piece of paper, I should abandon it. Otherwise, I would be killed. And I also said that I was a rubber
plantation worker, and other had to also tell a lie to, to the Khmer Rouge so that we could be allowed to leave our village. Pour pouvoir quitter le village. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le président. I have no further questions, Mr. President. The President. Thank you, Council. Thank you, Mr. Yuhpal. Merci, Monsieur Yuhpal. The session on your testimony and statement of suffering as a civil party has now come to an end. You are now excused. Vous remercions. Your testimony votre and statement of suffering et votre déclaration de souffrance may contribute to the ascertaining the truth, and you may now return home. We wish you all the very best. Court officer is now directed to assist with the rescue unit to ensure that Mr. Yuhpal is returned home safe and sound. Pour vous assurer que la partie civile rentre chez elle saine et sauve. The hearing today comes to an end. The chamber will adjourn. Voilà qui met fin à l'audience aujourd'hui. The next hearing will be resumed on Wednesday, the 29th of May 2013. And tomorrow is the plowing ceremony, and it is a public holiday. That's why the chamber will not be sitting tomorrow. On the 29th of May, the chamber will be hearing the testimonies and the statement of suffering of four civil parties, TCCP 156, TCCP 7, TCCP 13, and TCCP 198. We would like to also make sure that this information is well conveyed to the parties of the proceedings and the assistant who would be here to assist the civil parties who are testifying and giving the statement of suffering. Security personnel are now directed to bring Mr. Kyu Sumphon and Nguyen Chia back to the detention facility and have them return to the courtroom by May 29th at 9 a.m. The court is adjourned. L'audience est levée.